situation continue compliqué là en dans pays d'Haïti côté qui bagayou la mangon men bagayou la compliqué là situation vraiment grave là en dans pays d'Haïti parce que côté qui la ti messieurs azam yo même yo pas suspend affronter la police côté qui pièce moun yo même yo pas à l'abri vraiment et bien situation très compliquée là mes amis nous pas connait qui ça pays ça lui même la devenir parce que chaque jour de passé ou remarquer situation lui même l'a empiré ou remarquer côté qui peuple là yo même yo pas gagner yon espoir côté qui ça va changer mais c'est pi mal situation a vinn pi mal là mes amis nous pas connait qui ça pour nous faire dans pays ça parce que vraiment population lui même li livré à lui-même côté qui là mes amis yo même y a sibi là yo série de bagarre là qui vraiment triste nous pral bon détail nous pral bon information mes amis c'est pourquoi abonné placez abonnez kounya zami parce que nous pote bon genre détail pour en attendant dans vidéo pour nous bon plus détail vive ensemble mes amis me connais en pile là nous pas mettant des gens des nouvelles ça yo monsieur là mais yo vraiment yo font lavage là en pile là monsieur ça tombé. Et bon, c'est nous pas capable vraiment montrer et photo pour pouvoir dire vidéo. Mes amis, bah yo terrible. Mais avant ça, bon moi déjà et profiter pour me saluer. Information yo qui censé après dominer actualité a et bien gagner bois calé qui fait dans douane Port-au-Prince là côté que gagne plusieurs soldats et bien yo joindre autorisation pour aller dans vacances dans Dubaï et bien après que et bien pile bandit tombé et bien c'est n'a regarder image pour nous. C'est pas deux bandits et bien vivre ensemble qui ont même qui arrivé tomber côté que Negio t'a allé voler dans CPS et bien qui était à terre côté que c'est l'armée d'Haïti qui en dedans yo pas connait et bien le débarquer c'est pas deux volés ça qui ont même qui à terre et nous connaît tout n'a bien pour parler de journée mondiale liberté de la presse côté qui bien AJAS association journaliste haïtien qui salue courage et bien journaliste dans moment tout rien tout un message spécial ambassadeur États-Unis pour évoquer pour journaliste en pays d'Haïti et nous connaît au niveau de évasion au niveau de prison civile port de paix et bien ça lui même les fêtes pendant soirée et bien vendredi au niveau de et bien port de paix nous pour aller directement dans port de paix pour nous donc et bien assurer hier soir là c'est pas deux problèmes qui gagnent et bien dans les villes port de paix côté que et gagnent les prisons et bien gens que et non et Julie là et bien évasion à la prison civile de Port de Paix et bien vendredi dans soirée vendredi 3 mai 2024 au moins c'est une vingtaine prisonniers qui évadé dans prison civile Port de Paix et bien pour et mener que n'a pas là là et bien il y a un tir automatique en plus on attendait sur toute ville à cause une opération musclée qui a mené par la police pour capable ramener et bien fugitif ça yo au niveau de cellule et bien gain place antenne qui yo même qui a informé nous de bilan et puis plan évasion une fois et bien rapport autorité locale a sorti et bien depuis et tant ça yo même connaît que grand pile monde qui a vivre et bien des évasions et des détenus des prisonniers dans pays là et bien autorité concernée yo pas jamais renforcé sécurité installation carcérale là et bien Abdou grand pile gros bandit qui yo même yo dans la rue et bien au niveau de les portes de paix et bien connaît que gagné et yo ces tentatives évasion qui fait dans prison civile port de paix et bien côté que ta semblé gagne plusieurs et prisonniers gagne plus pas son vingtaine qui sauvé d'après une source officielle dans la police là qui ou même qui vont aux jambes capable bail plus détails et bien sous évasion ça fait grand pile bandit et bien gagné autorité yo au niveau de et port de paix yo mande la population pour rentrer la caillou et parce que la police yo même yo a fait tout effort pour yo être capable et bien prendre et bandit ça qui ou même qui est dans la rue et la minute que la parole là évasion dans prison civile porte de paix et bien et à ce analyse et directement du final fait mon attendez et bien et il y a une déclaration qui fait là et bien dans cadre et bien évasion ça fait au niveau de porte de paix dans minute que la parole là côté que et bien ville là même les blanches en pile mon rentrer la caillou c'est la police qui après est-ce que capable prendre évader ça. Oui, effectivement, mesdames, messieurs, nous prenons l'invite au temps de voir ça. Bon, on connaît,
Et voici là, c'est série de monde qui était qui alentour de zone là qui voyait. Mais c'est là que je suis capable de déployer. C'est série de monde qui a un problème personnel avec Guy Philippe. N'importe évasion qui fait, automatiquement, il y a entendu c'est l'équipe Guy Philippe. Pendant ce temps, Guy Philippe pas même compte rien de ça qui a passé. Bref, on façon pour nous dire que monsieur, je connais qu'il a fait politique. Non, mais si c'est pas cité, non, Guy Philippe, non, et bagaille nous, ok? Donc, n'a pas vite autant d'excès, ça, mesdames, messieurs, qui évasion, ça nous dit, pour qu'on y a là, et nous par contre combien, et prisonniers que t'as sauvé, est-ce que t'as blessé, ou t'as dit que t'as mouru, etc. Étant donné, ça n'a pas fait trop longtemps que ça arrivait. Mais bref, et à nous permettre autant d'excès, ça, j'en nous dis, t'es vissé, mon cap, voyez vos, de vous, mon qu'on a voyez vos, ou à mettre, ou à associer Guy Philippe dans série de vieux bagailles, ou pas même baiser penser m'bal passer. Ok, frère, pour mon cap parler mal de Guy Philippe, nous dis, nous clair. Ok, on t'a dit que c'est ça. De Port-au-Prince, mesdames, donc je dis à Guillaume, depuis hier, il y a un avion, et bien, Air Force qui atterrit, journée 3 mai, à l'aéroport Toussaint, l'ouverture qui a transporté, et bien, contractant civil, et qui a été déclaration que, et d'après le journal Miami Herald, et bien, M. Sayo, il est venu en support au Pentagone pour construire installation pour les forces kenyanes, les mêmes 9 multi. Force multinationale là qui parle établir et eh bien au niveau de pays et d'Haïti et eh bien n'a que et nous connaissons et c'est assistant et eh bien secrétaire d'État département d'État américain Todd Robinson qui indiquait avec Miami Herald que déploiement et eh bien première troupe kenyane et dans pays d'Haïti yo a intervenu et eh bien pendant le mois de mai et il va coïncider ensemble avec visite président William Ruto qui a prétendu aux États-Unis le 23 mai au Manson lui-même n'est pas précisé date déploiement lui-même dit a fait au niveau de pays d'Haïti et bien nous gagne image et nous pas loin comment que et bien gagne et force avion force et bien l'armée américaine qui au même qui déjà sous sol là depuis et bien dans aéroport tout ça nous veut dire on a regardé pour nous et bien comment que eux-mêmes ils ont descendu sur sol là et bien parce que et c'est les affaires forces multinationales là qui a venu pour eux et comment ils capables contre carré groupe gang armé qui a terrorisé population au niveau de pays d'Haïti on a regardé image pour nous comment ça est. Oui, c'est exactement ça. Là, nous t'ai parlé de l'hélicoptère dans la première édition, mais là, j'en nous dis, on va regarder avion, c'est pas deux militaires, faut nous dire monsieur, là, on vient comme ça. Évidemment, on vient de façon en civil, mais c'est une équipe militaire monsieur, on va regarder là. C'est justement nous bien préciser ça, c'est des Américains, oui, OK? C'est pas Kenya, c'est des Américains, on va regarder tout le monde qui a débarqué là. Ils proposent que c'est justement c'est préparé à préparer terrain pour Kenya, mais c'est bel et bien Américain qui débarque là, et je pense que, par contre, si l'autre monsieur était quand il m'a jamais, il était important que nous montrions Mounio, mais ça passe exactement. Et, bref, en tout cas, nous parlons comment monsieur même a parqué ça, mais bref, j'en nous dis, et on va regarder avion qui, juste prendre nos avions pour nous, et Pradel, quand même, nous, c'est un gros avion militaire qui là. C'est avion, et mais US Air Force. C'est US Air Force, et bien, lui-même qui s'en sait, et atterri là, et bien, Jean-Claude Nabdoulé, d'après l'information que dit, et bien, c'est contractant civil, et bien, au côté, c'est Miami Herald qui dit, et bien, monsieur est venu en support avec Pentagone pour qu'il poursuive, et bien, installation force kenyane, lui-même qui a bien pour capable, et venir, et bien, au niveau de et pays et d'Haïti, et bien, et Jean-Claude nous s'en sait, à regarder là, et bien, Nabdou, il y a plus de monde qui au même qui est à suivre, il y a plus d'Haïtiens qui au même à regarder, parce que je ne dis pas, nous connaissons que la situation son pays à lui-même les vignes là et bien est-ce que monsieur Sayo yo pas venir pour venir bay plus problème ou bien est-ce qu'il a venir pour capable craser groupe gang qui a terrorisé population depuis passé et 4 l'année et bien Jean que nous regarder là et bien à lui-même il est déjà entré. Oui voilà mesdames messieurs aidez-moi compter gardez qui valait soi-disant et militaire américain qui débarqué n'a précisé que supposément c'est Kenya, c'est force Kenya, c'est militaire Kenya, techniquement que t'as deviné, ok? On suppose. Mais on va regarder, je dis à la, regardez tout militaire américain, soit disant, monsieur, quand on prend prétexte, hein, bien précisé, on prend prétexte que justement, c'est préparé à venir préparer pour Kenya. N'a venir préparer qui ça? Ça veut dire que si nous comprenons bien, bon créole, on va prendre devant, et parce que nous connaissons plusieurs monde qui ont dit, monsieur Sayo, c'est ça que nous étions, le petit richesse que nous étions, même, on va prendre devant, puisque nous connaissons grand ciblé espace. Voilà, c'est ça n'a regardé la garde qui valait quantité militaire qui débarquait là mesdames et messieurs. N'a pas le nom en dedans yo grand avion. Et yo dit que c'est préparé, il a venir préparer.
c'est préparé à venir préparer, mesdames, messieurs. Gardez, aidez-moi compter pour eux. Et voilà, bon étirer ça pour vous. Si on parle au moins, m'a regardé là. Si on parle au moins cinquantaine facilement, mesdames, messieurs, n'a regardé. Hein? Ça veut dire que qui prépare son gain comme ça? Hein? Qui prépare son gain comme ça pour que les États-Unis, militaires américains, a débarqué comme ça, gardez rien? Mais imagine devant nous là, mesdames, messieurs. Nous pas nous voyons là. Mais imagine devant, ou à pli, ou à suivre, ou à regarder, ou à aider à calculer. Qui ça qui a préparé comme ça? Qui ça qui a préparé comme ça? Évidemment, et nous-mêmes nous déjà goûté, mais j'en nous dis, et bagay ça, il est très très suspect, et c'est clair, c'est clair. Et voilà.